Message de Jésus à Mère Marie Elisha. Bonjour frères et sœurs de la famille YouTube. J'espère que vous êtes bénis. Je ne sais pas pour vous les gars, mais si je peux être honnête, j'ai eu quelques inquiétudes sur la pensée. D'accord, donc je me suis inquiété puisque le Seigneur a mentionné que je quitterai cette communauté très bientôt pour commencer ma mission. Je ne devrais pas permettre à ce qui se passe dans le monde d'affecter ce qu'il a dit, mais en plus de partir, il y a eu quelques promesses qu'il m'a faites l'année dernière pour cette année. J'ai alors commencé à douter, à m'inquiéter, à me demander si tout ce qu'il disait se déroulerait au milieu de tout ce qui se passe. Comme si ces choses pouvaient interrompre ses plans, bien. Mais n'est-ce pas ce que nous faisons souvent quand le Seigneur nous donne une promesse et que les choses semblent se passer de manière opposée à ce qu'il a dit? Ou encore, des circonstances surviennent qui semblent être des obstacles à votre promesse. Nous commençons à douter et à remettre en question sa fidélité. Cependant, pendant le culte, il a joué des chansons incroyables sur moi. Waouh! Comment cela a réconforté mon âme et m'a rappelé que non seulement il est fidèle, mais qu'il remplira toutes les promesses qu'il a prononcées. Il me disait que c'est lui qui combattait durant mes batailles. J'aimerais partager avec vous toutes les paroles des trois chansons qu'il m'a données. Le Seigneur est très présent dans la prière d'habitation. Il chante effectivement sur nous, comme le dit Sophonie 3, verset 17. C'est une façon dont le Seigneur nous parle. Je vous encourage vraiment, tout le monde, à chercher son visage dans l'adoration, dans la prière et à être attentif à ce qu'il vous dit à travers ses paroles. La première chanson était de Jessica Reddy, Can't Hold Me Back. La chanson va comme cela. Et j'ai conclu qu'il y avait autre chose se battant contre moi et essayant de m'arrêter. Il n'y en a qu'un que je connais qui ne m'aime pas. Satan, tu as essayé de répandre tes mensonges. Tu pensais que tes mensonges arrêteraient mon ascension, mais tes mensonges ne pouvaient pas me retenir. Tu as lancé beaucoup de déchets en espérant que cela arrêterait mon travail, mais tes déchets ne pouvaient pas me retenir. Tu as utilisé mes amis, ma famille pour être mes ennemis, mais même ces choses ne pouvaient pas me retenir. Envoie ce que tu as de meilleur, car mon papa me soutient, et tu ne peux pas nous retenir. Puis, la chanson de Brian et Jen Johnson, I Won't Forget. La chanson dit: je n'oublierai pas le prix que tu as payé alors que la mort était à moi. Tu as pris ma place. Je n'oublierai pas le sacrifice, car pour cet amour, je dois ma vie. Tu es entré la nuit et as démoli les murs qui retenaient mon cœur brisé. Quand tout ce que je pouvais voir gisait ruiné et cicatrisé, ta lumière a brisé l'obscurité. La dernière chanson était « Christ, le Seigneur est avec moi » de Stephanie Gretzinger. La chanson est la suivante. Je n'ai jamais marché seul, tu étais avec moi à travers tout ça. Cœur brisé, os brisé, tu m'as toujours tenu près de toi. Il n'y a aucun endroit où je pourrais aller, du haut des cieux à l'enfer ci-dessous. J'ai vécu assez pour savoir, tout endroit avec toi et ma maison. Alléluia, Christ le Seigneur est avec moi. Alléluia, Christ le Seigneur est avec moi. Alléluia, Christ le Seigneur est avec moi. Je suis venu devant le Seigneur après l'adoration, le remerciant pour les belles chansons qu'il a chantées sur moi. Seigneur, tu me rappelais comment je ne devrais pas me préoccuper des tactiques ennemies parce que tu me tiens et que tu as été avec moi à chaque étape du chemin à travers ta grande fidélité. Je voyais des flashs d'images de tout ce que tu avais promis. Quelle belle restauration! Aide-moi à ne pas douter. Seigneur, Seigneur, y a-t-il quelque chose dans ton cœur? Jésus a commencé. Ma précieuse petite, je suis ici, je te retiens. Ne peux-tu pas sentir ma douce présence tout autour de toi? Oui, Seigneur, vraiment, c'est si doux d'être en ta présence. Il n'y a pas de place, je répète, pas de place où je préférerais être, Seigneur. Jésus a continué. Eh bien, j'aime aussi ta présence, ma chère. J'aime notre temps ensemble et je veux en effet t'encourager concernant ma fidélité et ma bonté. L'ennemi a essayé avec ferveur de souiller cet aspect de ma nature et de faire tomber beaucoup de gens dans le découragement, dans le but qu'ils me fuient, pour faire les choses à leur manière plutôt que de me faire confiance. Plutôt que de croire en ma bonté et de croire ce que j'ai dit, je le ferai. Beaucoup se sentent tellement submergés par cette pandémie. Beaucoup avaient leurs plans pour cet été, pour cette année, mais les choses ont été interrompues par ces choses que j'ai permises. Certains sont très irrités et mes fidèles sont préoccupés par certaines promesses que je leur ai faites. Ils se demandent s'il y a un espoir. Mais je vous dis, mes petits, il y a toujours de l'espoir. L'homme projette, mais je dispose. Je dispose des choses qui ne sont pas meilleures pour vous.
Je dispose des choses qui finiront par vous détruire, et je disposerai des choses qui vous éloigneront du destin que j'ai pour vous. J'ai donc besoin de votre confiance, confiance en ma fidélité, confiance au fait que j'ai encore des grands projets pour mon peuple cette année, même au milieu des tourments et des secouements du monde. Ceux de mon peuple s'épanouiront et deviendront des vignes fructueuses qui porteront beaucoup de fruits. N'ai-je pas été fidèle à David, même dans le désert? Plusieurs fois, il se demanda aussi comment les choses allaient se produire. Lui, un garçon berger, oint comme roi, puis renvoyé pour conduire les brebis. Pourtant, c'était là mon intention. Le former sur la fidélité envers moi et le troupeau d'Israël qu'il conduirait avec ses mains habiles. J'étais fidèle à Sarah qui aspirait à un enfant, la promesse qui a été faite à Abraham. Cependant, au fil des années, elle a décidé de se tourner vers ses propres plans et sa propre façon de réaliser ma promesse. Ce qui, non seulement a un impact générationnel, mais pour toute l'éternité, Ismaël et ses descendants. Les musulmans continuent de s'opposer à leurs frères et continuent de mener tant de gens en erreur. Si seulement ils avaient attendu ma promesse. Donc vous voyez mes très chers, suivre votre propre chemin, planifier votre propre cours a un impact générationnel et éternel. Faites-moi confiance et croyez en ma fidélité. Ce que j'ai dit, que je ferai. Je vous choquerai par ma compassion et ma gentillesse qui vous suivra tous les jours de votre vie. Cela, si vous soumettez toutes choses à moi, à mon timing et à mes voies. Cela vous apportera la plus grande joie, la plus grande paix et la plus grande sanctification. En plus d'avoir un impact générationnel et éternel, cela apportera la gloire de mon royaume sur la terre comme au ciel. C'était la fin du message de Jésus à Mère Marie et Lacha.